Au Bénin, plus de 600 camions en stationnement sur un parc à Malanville, une ville frontalière entre le Bénin et le Niger. C'est ce qui ressort du point de vue du président du syndicat des transporteurs et des nouveaux associés du Bénin, Rabiu Gaba, dans son point de 10 jours après la fermeture des frontières terrestres entre les deux pays. Selon Rabiu Gaba, même si cette mesure de la fermeture est motivée par la sanction de la CEDEAO imposée aux putschistes, elle pénalise les échanges commerciaux et ceux qui les animent au Bénin. Pour rappel, le Bénin a fermé sa principale frontière avec le Niger depuis le dimanche 30 juillet dernier, juste après le double sommet UEMOA-CEDEAO, tenu à Abuja et consacré à la situation politique du Niger.